Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe dans mon motel? C'est le bordel! Regardez ces embouteillages! Ah oui, je dois revenir dans la zone de jeu! Ah ben désolé, mais regardez ça! Oh là 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 là! Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur! Si vous êtes fatigué... Oh! Je l'ai dégagé, l'autre voiture! Si vous êtes fatigué, monsieur, venez au motel, ou madame! Venez faire un petit dodo! Attendez, attendez! Stop, stop, stop! Allez-y! Allez-y! Circulez, madame! Voilà! Oh là 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 là, comment allez-vous sur la chaîne YouTube là, vous allez bien? Bonjour à toutes et tous, c'est Chirostar. Allez, aujourd'hui, on est dans le motel, il faut tout faire ici, hein. Il faut faire la circulation, c'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel, on va juste attendre que les bouchons... Hey madame, oh, on se calme. On va juste attendre que les bouchons ici passent, parce que là, c'était vraiment la catastrophe. Ah, on a trop de monde, hein. On a trop de clients, voilà, c'est bon. Ok. Alors, j'espère que vous allez bien. Regardez notre magasin, il est 5 étoiles. On a la publicité, hein, on a vu ça dans le dernier épisode. Et mais merci, hein, merci pour votre bienveillance par rapport au dernier épisode. C'est vrai qu'il était mal cadré. Mais voilà, c'est résolu pour cet épisode-ci. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez, j'ai agrandi mon motel. Alors maintenant, on a 6 chambres. Hein. On a 6 chambres, regardez. Oh, ensuite, j'ai oublié de verrouiller la porte. Touche X. Voilà. Ah mais allez, il veut pas me la laisser verrouiller. Ouais. Bon, c'est bon, je peux la verrouiller? Ok, X. Et celle-là, est-ce que je l'ai verrouillée? Oui. Alors, regardez. On a ici une nouvelle chambre. J'ai mis un nouveau type de luminaire au plafond. Je sais pas ce que vous en pensez. J'avais envie de tester une fois quelque chose d'un petit peu différent. J'ai mis aussi une belle baignoire. Regardez ça. Ça y est, hein. Là, on franchit un cap, là. On part vers des choses de qualité, hein. J'ai mis des petites poubelles aussi dans les chambres. Pour voir si ça changeait quelque chose au fait que les gens jettent leurs déchets par terre. J'ai également un nouveau radiateur. Regardez ça, comme il est beau. Donc ça, c'est nouveau dans cette chambre-ci. Alors, dans la chambre 5, là, je ne l'ai pas terminé non plus. On est plus sur du classique. On est plus sur du classique. Bon, j'ai mis la poudrière de poubelle. Ça, je l'ai mis, je pense, dans toutes les chambres de mon motel, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai été vraiment la mettre partout. Donc, il va falloir terminer ces deux chambres-là. On va pouvoir bientôt ouvrir pour accueillir les clients pour les chambres 1, 2, 3, 4. Car pour l'instant, si vous regardez, j'ai personne. D'accord? Puisque simplement, j'ai tout remis à zéro. Donc là, j'ai personne. Par contre, au niveau du magasin et au niveau de la station service, eh ben, ça roule. Hein. Ça roule. On a du staff qui est là. Regardez, elle gère au niveau ici de notre magasin. On avait un petit peu agrandi, donc on a pas mal de place. Elle fait quoi? Elle fait pipi? Qu'est-ce qu'elle faisait devant la prise électrique? Ah bah, mais madame, tu faisais des choses bizarres, toi. J'ai pas trop compris ce qu'elle faisait. Et alors, on a normalement, je pense, un pompiste. Il est là, pour l'instant, il est tranquille. Il a pas trop de taf, le pompiste. Mais je pense que les clients vont arriver. Il y a encore de l'essence. Ouh, 400 balles, d'ailleurs. Hop, allez, on prend ça. Au niveau des cabines téléphoniques aussi, on prend l'argent. 14 balles ici. 29 ici et 71 là. Ok, c'est parfait. Et au niveau du magasin, 600 et des magnifiques. Regardez, on a 1200 balles. Et on a lui aussi, notre restocker. Eh oui, on a un restocker maintenant. Donc, on a un pompiste, on a un restocker. Et on a quelqu'un ici au magasin. Donc, à part passer les commandes, on doit plus trop s'en occuper. Et donc, ça, c'est génial. Alors, on a de la pub un petit peu partout. Hein. Ça, c'est par rapport au dernier épisode. Donc, voilà. Ça, on a vu ensemble comment ça fonctionnait. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va ouvrir le motel. Pour les chambres 1, 2, 3, 4. Et on va ensuite terminer la déco de ces chambres ici. D'ailleurs, j'avais ramené le sol. Donc, on peut le terminer. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Donc ici, il faut que je me souvienne un petit peu où j'en étais. Le sol, c'est bon. Par contre, cette chambre-là, le sol, je n'ai pas encore commencé. Hop, on va directement le faire. Comme ça, on pourra ouvrir notre motel et avoir beaucoup plus de monde chez nous. Et donc, qui dit plus de clients dit bien sûr plus d'argent. Ah ah, ben oui, c'est le but. Alors, hop, voilà. On n'oublie pas les petites cases là. Hein. Souvent, on les oublie. Hop, voilà, ça c'est fait. Ici, elles ont été mises. Ok, parfait. Donc, à ce niveau-là, c'est bon. Alors, ça fait un petit temps, quelques jours que je n'ai pas joué. Donc, il faut le temps que je me souvienne un petit peu toutes les touches. Je risque de faire des petites bêtises de temps en temps. Ok, ici, on est bon aussi. Oui, je pense. Hein. Donc là, on a la salle de bain. Donc, il manque quoi? Il manque... Le truc pour attacher les serviettes. Le truc pour attacher le papier toilette. Et bien sûr, le lit, les meubles. Donc, il manque encore pas mal de meubles.
Alors, j'avais envie de tester ceci pour voir un petit peu. C'est un nouveau style de mur. J'avais envie d'un petit peu tester. Alors, ça fait très sombre, mais je me suis dit que je pouvais peut-être en mettre que d'un côté. Vous voyez, si je mets que ici, par exemple, que sur cette surface-là, voilà. Et ailleurs, je mets autre chose, une peinture plus claire. Donc, la peinture qu'on avait un petit peu partout. On va voir ce que ça donne. Alors, le pinceau, il est là. C'était la touche E pour prendre la peinture. Et on y va. On reste appuyé sur E pour peindre le mur. Hop. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Alors, il y a un mur plus sombre, certes. Mais avec le mur plus clair, je pense que ça peut passer. Je rappelle que dans mon motel, le but aussi, c'est que tout ce qui est peinture, etc., eh ben, ça fasse un petit peu champêtre, un petit peu nature, montagne, forêt. Perdu au milieu de nulle part. Donc je me suis dit que ce truc-là, pourquoi pas, ça va bien dans le thème. Je mettrai pas ça chez moi, hein, on va pas se mentir. Mais dans mon motel, pourquoi pas. Hop, voilà. Parfait. On va finir la peinture, ça sera le gros œuvre. Et puis il faudra meubler ici et à côté. Hop. Encore. Ah non, là c'est bon. Là c'est bon, il a mis le papier peint? Non. Pas mis le papier peint là. Ok. On peut ranger ça. On prend ceci. Et ça, on peut mettre là. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est moche, 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 moche? Est-ce que je mettrais peut-être juste ici sur le petit mur? Ah. On va laisser comme ça pour l'instant. C'est un test. Hein. On va voir si les clients sont contents. Et donc, dans la salle de bain là, bon, ben ça, j'ai décidé de pas trop changer. Donc, on va rester sur ce carrelage là. Alors, je ne sais plus si ça fonctionne aussi derrière les meubles ou pas. Ou s'il faut les changer. Non, c'est bon, ça fonctionne. Ok, parfait. Donc, ça, c'est bien. Pas besoin d'enlever le meuble pour faire le petit bout là en carrelage. Voilà. On élimine un peu le stock qu'on avait au niveau des carrelages. Alors, peut-être que j'en aurais pas assez, ceci dit, pour toute la salle de bain, malheureusement. Je pense que j'en aurais pas assez. Hein. Il m'en reste combien là? 9. Hein, j'en aurais jamais assez. On va peut-être terminer déjà ici. Et là, vous voyez, il me manque un peu de carrelage pour le mur ici. Donc, c'est pas trop grave. Allez, on va ramener ça. Hop, on le prend. Ah, il faut un petit peu mettre de l'huile là sur les roulettes. Bonjour madame, attention. Ok. On ramène ça ici. On prend les pots de peinture. Alors, comment on prenait encore plusieurs trucs comme ça? Les pots de peinture, je les mets ici en haut. Ça, on met ici en bas. Et donc, voyons voir au niveau du carrelage. Malheureusement, je n'en ai plus. Donc, il va falloir en recommander. Alors, au niveau des meubles, ça, j'en ai un. Parfait. Ça, c'est pour la petite toilette de la première chambre. J'ai des choses pour le lit. J'ai un coussin. Ok. Par contre, je n'ai pas les meubles. À moins que je ne les vois pas là tout de suite. Ah, si, j'ai un grand lit ici. Attendez. On ne peut pas le laisser en boîte, celui-là? Zut. On va l'amener vite là-bas. Ça, c'est pour la grande chambre. Hein. Ça, c'est pour la grande chambre, ce lit-là. Vous voyez qu'il est un petit peu différent des lits que j'utilisais avant. Donc, ça, c'est pour la grande chambre. On va. Est-ce que je le mets face à ce mur-là? Non, on va le laisser ici. On va le mettre comme ça, ici. Voilà. On le verrouille avec la touche X. Alors, on peut directement mettre le drap de lit. Voilà. Ok. Oula. Ah ouais, il se met bizarre le drap de lit. Ah ouais, il se met bizarre le drap de lit. Bon, on n'a rien vu. Et alors, on a aussi les couvertures. Voilà. Parfait. Une, deux. Et on a ici les oreillers. Alors, je l'ai mis l'autre sur le chariot. En fait, ce n'est pas spécialement nécessaire. Parce qu'on peut les prendre directement de là. Un oreiller. Deux oreillers. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les serviettes. Je peux déjà. Ah, ben, il y en a. Il y en a. Ben, je vais en placer une deuxième. Et pour le reste, ben, j'ai rien. J'ai rien. Donc, le reste, on va devoir aller chercher. Alors, il faut quoi? Il faut encore les armoires. Il faut les lits là-bas. La salle de bain, elle est faite, par contre, je pense. Sauf ce qu'on doit mettre le long du mur. Alors, on va aller voir dans le stockage si j'ai encore des petites choses ici ou pas. Parce que tout à l'heure, bah, on a eu la bonne surprise d'avoir quelque chose.
Ah, j'ai une nouvelle machine à laver aussi. Hein. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vue, mais j'en ai pris une plus grande. Regardez, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'on a? On a des prises électriques. Ah, regardez, ça j'ai besoin. Top, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça va me permettre de finir mon mur. Par contre, le reste, je n'ai pas. Alors, le seau de peinture, on va le mettre là. Le reste, je n'ai pas. Je vérifie bien partout. Non, non. Ok. Donc, on va devoir acheter pas mal de meubles. Ça tombe bien, on a 1200 balles. On va déjà amener cela jusque là-bas. Donc, j'ai faim aussi. Donc là, mon bonhomme, il ne coupe pas trop. Stop. Alors ça, on va mettre là. On va le tourner, bien sûr. Voilà, on le verrouille avec la touche X, on prend le PQ, on fait la touche E, magnifique. Il faut encore juste le porte-serviette dans cette salle de bain-là. Ça ici, on va mettre là. Voilà, impeccable. Parfait! Cette salle de bain est finie au niveau du carrelage, il n'y a plus qu'à mettre des meubles. L'oreiller est là, on va le mettre ici en attendant d'apporter un lit. Oula, j'ai perdu de l'évaluation boutique, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait ça? Comment ça se fait ça? Ah, il y a 5 clients à la boutique? Quoi, mais j'ai personne? Mais... elle est où la femme de la boutique? Elle est où la femme de la boutique? Elle dort? Eh oh! Madame! Tu fais la grève? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fâché? Alors ça alors, pourquoi elle travaille pas la autre? Puis il fait sa pompe, ouais c'est bon. Bon ben excusez-moi messieurs dames, hein, désolé, oui je suis vraiment navré. Écoutez, il y en a une qui a décidé de faire la grève, alors je sais pas trop pourquoi, je vais aller lui parler après. Oui boss, c'est vraiment celle de la caisse qui fait la grève. À mon avis elle a pas été payée ou j'en sais rien. Je suis fatigué peut-être. Voilà voilà. Oui on est vraiment désolé, la direction s'excuse. In a heartbeat. Voilà, s'il vous plaît, hein. Vraiment désolé, hein. Je vais aller vérifier ce qui se passe. Un peu nettoyé. Alors, je vais aller vérifier ce qui se passe. Pourquoi est-ce que l'autre n'a pas travaillé? Gestion personnelle, repos. Qui l'a mis au repos? En tout cas, pas moi. Oula, il faut les payer, ceux-là. Eh, hey, oh, tu vas aller à la caisse, toi. Non, mais. C'est pas moi qui l'ai mis au repos, ça, c'est sûr. Hop, on va ramener le chariot. Ah oui, on doit passer commande. Alors, attendez. On va aller voir. Donc on a combien là? Oh, on a plus que 500 balles, zut. D'abord, on va aller chercher l'argent. Je vais ouvrir le motel, je pense. Comme ça, je peux déjà remplir les premières chambres. Il va falloir peut-être améliorer aussi un peu le parking. Donc, on prend l'argent. Hop, hop. Attention, monsieur. Merci. On doit aussi prendre l'argent des publicités. Normalement. Great. Allez, fais plus ça, hein. Alors, j'ai mis des publicités. Donc, normalement, c'est ici, je pense, publicité. Soyez payé 1000 balles. Waouh, 1000 balles de pub. Oh, oh, oh. Ça, je prends. Ça, je prends 1000 balles de pub, de l'argent passivement. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est trop cool, ça. Ça, c'est trop, trop cool. Je vous l'ai dit, hein, la publicité, franchement, c'est important. Alors, au niveau des chambres. Donc, on va acheter des équipements. Alors... dans l'autre petite chambre, on va acheter le lit. Donc ça, c'est le lit de base qu'on a ici, qu'on achète d'habitude. Quoique, je vais peut-être... voilà, on va garder sur celui-là. L'autre, on a déjà le lit. Qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce qu'il nous faut un petit peu des draps et tout ou ça, j'ai... on va peut-être acheter un peu de draps aussi, pourquoi pas. Couverture, j'en ai plein, je pense. Porte, non. Il me fallait quoi? Il me fallait des meubles de salle de bain. Oui, il faut les chauffages, là. C'est où ça? Serviette, toilette, papier toilette, chauffage, non. Rideau, siège, table, bureau, placard. Alors, il faut des placards. Donc, dans une chambre, on va prendre le placard comme celui-là. Dans l'autre, est-ce que j'essaierai un autre type de placard? Non, on va rester sur ça. Ok. Tiroir, oui, il me faut aussi des tiroirs. Alors, fais voir le placard, c'est celui-là comme ça. Je dirais donc, on va prendre celui-ci. Dans une, on va mettre celui-là. On va prendre des tiroirs. Et dans l'autre, je vais prendre ça. Ok. Au niveau électrique, au plafond, on va mettre le ventilo.
Tapis, non, on va pas mettre de tapis. Ah, ça, j'ai besoin. Ça, j'ai besoin. On va prendre deux trucs comme ça. Et l'autre, j'ai besoin pour la toilette. On va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. Parfait. Ça ici, c'est quoi en bas? C'est des meubles un peu pour décorer? Ouais. Ok. Ah oui, parce qu'on peut mettre des livres et des choses comme ça dessus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Est-ce que j'oublie quelque chose, mesdames et messieurs? Ou est-ce que j'ai tout pris? La salle de bain, je pense qu'on était bon. Je pense que le reste, on est bon. Est-ce que j'ajoute un petit siège dans la grande chambre? Un petit fauteuil pour se reposer. Un petit sofa, un petit... Est-ce que je mets quelque chose pour se reposer? Pourquoi pas? Je crois qu'il y a la place, elle est grande. Un vieux siège comme ça, là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Non, écoutez, je vais pas mettre, je vais pas mettre tout de suite. Je vais pas mettre ça tout de suite. Par contre, on va prendre des petites tables à côté de... À côté du lit. C'est lesquelles? Je me souviens plus, les amis. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas joué, je me souviens plus. Est-ce que j'avais des petites tables à côté des autres lits ou pas? Je pense pas d'ailleurs. Allez, on va voir le panier. On va aussi prendre le grand fourgon. Est-ce que ça passe? Non, alors on doit prendre le camion. Eh bien, on va en profiter aussi pour remettre un petit peu de produit dans la boutique là. Donc, on va dans la livraison. On regarde ici. Alors les chips, j'en ai 40, 40. Ça, j'en ai plus que 8. On va en prendre. Ici, j'en ai pas mal. Là, j'en ai plus que 5. Je sais qu'ils sont chers, mais tant pis, on va en prendre. Ça aussi, on va prendre. Ça, il faut absolument. Au niveau du stockage, là, ouais, un peu de cookies. Au niveau des boissons, on doit prendre ceci. On doit prendre ça. Ça. On fait les courses. On fait notre shopping. C'est important de garder le stock. Surtout que maintenant, j'ai quand même un mec qui bosse pour tout remplir. Donc... Il n'y a pas de souci, ni cigarette. Il faut un petit peu de celle-ci. Au niveau des autres tabacs, on est plus ou moins bon. Ouh là, ça on en a eu plus de 3. Produits pour voiture, j'ai pas encore mis. Les essentiels, j'ai pas encore mis. Les cadeaux souvenirs, on va racheter un petit peu ça. On va racheter aussi des ours, vu qu'ils sont moins chers. Ça aussi. Chapeau lunettes, j'ai pas encore, je pense. Hein. Ok. 1300 balles, on a 1800. C'est parfait, on commande. On va en profiter pour ouvrir le motel. Histoire d'accueillir des nouveaux clients. Donc là, ça se passe plutôt bien maintenant au niveau du carburant. Voilà, la police est venue faire son plein. Hop, nous, on récolte l'argent. On récolte l'argent ici du magasin. Ça va, tu râles plus, toi? Non. Tu ne râles plus, mesdames et messieurs. Ah, la vieille Golf. Elle ne râle plus, donc ça, c'est bon. Est-ce que je peux débloquer aussi d'autres publicités encore? Parce qu'on a vu que ça rapporte pas mal. Regardez ici. Là, par exemple. On peut acheter encore d'autres licences. Qu'est-ce qu'on prendrait comme pub? Marilyn Cigarette? La pub pour le tabac? Bon, c'est pas bien, hein, mais allez. On prend Marilyn Cigarette. Et je vais prendre aussi Cola Cola. Et on va prendre... Lara Luke, c'est quoi ça? Non. You don't need a big one, be happy. Une pub pour une voiture. Voilà. Et donc ça, les publicités, elles arrivent à la boîte aux lettres qui est à l'entrée ici. Regardez ça, magnifique. Et alors soit vous les mettez sur des panneaux que vous pouvez acheter, donc il y a plusieurs types de panneaux qu'on peut acheter, soit vous les mettez tout simplement comme ceci sur un mur, sur quelque chose, de préférence où il y a des gens qui passent. Je pense que le rayon d'action fonctionne, je pense. Ça on va mettre où? Ah ouais, c'est grand quand même comme truc. On va mettre à côté ici du bébé. C'est pas très droit, malheureusement. Ok. Verrouillé. Vous voyez les limites? Je pense qu'il passe dessus. Je pense qu'il passe dessus. Je suis pas sûr, on verra. On verra si ça gagne de l'argent. On a quelqu'un au motel qui veut une chambre. Je voulais juste voir un petit peu les autres pubs. Cola Cola. On va la mettre à l'entrée du motel. Par contre, j'ai faim. Du coup, mon personnage me court plus. Ça, c'est assez gênant. On va mettre une belle pub Coli-Cola ici sur le motel là, juste à l'entrée. Un vrai panneau publicitaire. Alors je vais enlever ça après. C'est en attendant que j'achète les panneaux, parce que là je les ai pas. Faible réserve de carburant, ok. Donc, on va aller ici. C'est où encore ça? C'est dans livraison, carburant. 700 balles, on n'a pas assez. On a 400 balles. Hop, on va commander ça. Bonjour, bienvenue madame. Ah, vous avez été à la gym vous aussi. Comment allez-vous? Je vous écoute.
Une chambre d'un lit pour 32 heures. Ok, attends, alors attendez, on va vous donner la chambre numéro 1. S'il vous plaît, madame, prenez cette chambre. Qu'est-ce qu'il y a? La chambre n'est pas prête? Oh, zut. Pourquoi elle n'est pas prête? Ah, j'ai pas remis les lits. Oh, non, non, je veux pas dormir. Zut. Non, je veux pas dormir. Mais pourquoi il me fait dormir maintenant? C'est F. Ok, drap de lit. Hop, voilà. Couverture. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il faut encore? Serviette et tout, est-ce qu'on a? Serviette, c'est bon. Couverture, c'est bon. Drap de lit, c'est bon. L'oreiller est là. Je pense que la chambre est prête maintenant. Je pense qu'elle est prête. Ok, allez-y, madame. J'ai envie d'engager quelqu'un pour préparer les chambres. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Ouais. J'ai envie d'engager encore un membre de personnel pour gérer les chambres. Surtout que maintenant, on en a quand même beaucoup. Alors pour ça, il faudrait aller... non, on va pas le faire. On va pas le faire tout de suite. On n'a pas trop de thunes. Ici, la chambre. Elle est prête? Non, il manque un drap de lit. Voilà. On a le papier toilette. On a la serviette. Là, on est bon. Ici, on est bon. Il y a tout. Il y a le papier toilette. Il y a la serviette. Je fais un petit tour des chambres pour voir si elles sont prêtes. Celle-ci, elle est prête également. D'accord. Donc les 4 jusqu'au numéro 4 sont prêtes. D'accord, parfait. Alors là, j'arrive plus à courir, hein, c'est normal. Vous voyez en haut à gauche, j'ai faim. Donc on va aller manger un petit truc au magasin. Oh, il faut nettoyer là, c'est dégueulasse. Voilà, je peux courir de nouveau. On va vite nettoyer. Non, vraiment sali tout le truc. Au niveau des poubelles, est-ce qu'il faut vider des poubelles? Celle-ci. Voilà, et on a encore une pub là. Encore une pub. Ça va toi? Prends un petit peu l'argent. Alors le camion est arrivé. Donc normalement j'ai quelqu'un qui va m'aider à le décharger. Le gars qui fait le stockage, je pense. Mais moi je vais prendre les meubles pour aller les foutre directement dans les nouvelles chambres. Donc là, notre motel, il prend de l'ampleur. Hein. Il prend de l'ampleur. On a déjà 6 chambres. On a pas mal de staff. On a les publicités. Franchement, c'est plus ou moins... C'est plutôt cool. On met ici un lit. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une petite armoire. Je pense que celle-là, je voulais la mettre ici. À côté du lit, ici. Plutôt là. Voilà. Cette belle armoire-là, je pense que j'ai pris 2 fois la même. On va mettre ici. Waouh, qu'est-ce que c'est beau la déco. Waouh, incroyable, je veux ça chez moi. Ça, on va mettre là. Ok, touche X pour verrouiller, touche X pour verrouiller, touche X pour verrouiller. Et l'autre, on met dans la chambre d'à côté. Voilà, comme ceci, touche X pour verrouiller. Et donc là, je peux prendre la serviette et la mettre de... Oh, zut. Attendez. Déverrouiller. Hop. Voilà, comme ça. Ok, verrouillé. Même chose ici, du coup. Je pense que je dois le retourner. Si je mets la serviette là, ouais, on doit le retourner. Alors, déverrouillé. Voilà. Ok, parfait. Ça, c'est bon. Il manque ici le truc pour les toilettes. Ça, je vais la laisser là par terre sur la toilette. Voilà, comme ça, ils ont une serviette en plus. Il manque le truc pour le WC. Ici, la salle de bain est finie. Il manque des meubles pour l'intérieur. On y va. Ici j'ai une armoire en trop par contre. J'ai pas besoin de cette armoire. Ça j'ai besoin, ça j'ai besoin. Ça ici pour le WC j'ai besoin. Ok. On va mettre tout ça dans les chambres. Donc ça c'est l'armoire pour ici. Non c'est bon, j'en ai pas en trop du coup. Impeccable. Voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est le ventilo. Le ventilo on va le mettre ici. Hop. X pour verrouiller, X pour verrouiller. Ici, on a un autre ventilo pour cette chambre-là. X pour verrouiller. Du coup, ça, je vais peut-être un petit peu la... Peut-être un petit peu la déplacer. C'est ennuyant que... Enfin, ouais, c'est ennuyant, c'est normal. Mais à chaque fois, la lumière s'éteint quand on bouge les lampes. Oh non, il n'y a plus d'électricité. Zut. Oh, ça, il faut que j'améliore aussi.
plus avoir les coupures de courant. Parce que là, dès qu'il y a un orage, le courant saute, c'est chiant. Et il n'y a plus de carburant dans le truc, c'est chiant. Comment on fait le plein encore de ça? Je ne me souviens plus. Voilà. Un petit instant, mesdames et messieurs. On a une petite panne de courant, c'est normal, hein, on est dans la campagne. Voilà. C'est bon? Ok, le courant est revenu. Voilà, désolé, mesdames, messieurs. Amazing. Amazing. Alors, on a un nouveau client. Bonjour, monsieur. Une chambre, oui, un petit instant. Il veut pour 12 heures, donc ça, c'est parfait. Ça va me permettre d'avoir les bonus. Prenez cette chambre. Cool. Voilà, s'il vous plaît. Madame. Oh, vous êtes heureuse. Oula, un lit pour 92 heures. 92 heures. Non, désolé, il n'y a plus de chambre. Je sais pas si elle me croit, je lui avais déjà mis les clés devant elle et tout, mais bon, là... 92 heures, non, quand même pas. Ça, on peut mettre là, on fait X, on met le PQ, voilà. Alors, la salle de bain ici est prête. Et ici, je vais encore mettre un petit meuble juste là. Donc, la chambre est quand même très grande. Voilà, regardez ça. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette chambre. Oh, elle vend du rêve. Waouh. Ok, donc là, le lit est prêt. La toilette est prête. Donc, je pense que cette chambre, elle peut être louée également. La 6, elle est prête à être louée. Ici, par contre, il faut faire le lit. Alors, drap de lit. On va mettre les verres une fois, tiens, voir ce que ça donne. Wouah, qu'est-ce que c'est beau. Oh zut, il n'y a qu'une couverture et il n'y a qu'un oreiller. Il n'y a qu'un oreiller, sérieux? Oh non. Oh non, il n'y a qu'un oreiller, il faut commander des oreillers. Zut. C'était pas prévu ça. Bonjour monsieur, dites-moi. Une chambre avec deux lits 24 heures. Oui, avec grand plaisir. Ben voilà, j'ai déjà mis la clé, tiens. Prenez cette chambre. Ah non, attendez. Ah ben vous savez quoi, on va louer la grande chambre. On va louer la grande chambre pour la première fois, mesdames et messieurs. La chambre numéro 6, monsieur. C'est une chambre grand luxe. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'est pas prête? Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Qu'est-ce que j'ai oublié dans cette chambre? Il y a le papier toilette. Ça, ben ça, malheureusement, on ne peut pas le mettre là. Sur le lit. J'ai mis les draps, j'ai mis ça, j'ai mis les oreillers. Je vois pas ce que j'ai oublié dans cette chambre. Pourquoi il veut pas que je la loue? Pourquoi il veut pas que je la loue? Normalement, on peut voir l'état ici, je pense. Chambre. Chambre numéro 6, pas prête. Pourquoi? Max atteint. Porte. Oh! Il n'y a pas de porte! Il manque une porte! Ah! Zut! Alors attends, monsieur, un petit instant. Il manque une porte. Il manque quelle porte? La porte de la salle de bain? Ah! Ah! Ici non plus. Ah! on va prendre cette porte-là. Déverrouiller. Voilà. J'y tiens. Je veux qu'il utilise cette chambre-là. Ok, donc il faut commander aussi une porte. Voilà, monsieur. Désolé. Un petit contretemps. Prenez-la. Voilà. Parfait. Donc, on doit commander des choses de nouveau. On doit commander... je dois commander des oreillers. Je dois commander une porte pour la salle de bain. C'est celle-ci, je pense. Qu'est-ce que je devais encore commander? Des matelas ou des trucs comme ça? Non, des draps? Non, les draps, on les a. Les draps, on les a. Ah, des couvertures, peut-être? Je sais plus. On va commander des couvertures. On va commander un peu de couverture. Je suis pas sûr que j'en ai besoin, mais on va commander. Allez, on y va, on commande. Ah, pourquoi il veut pas? Pas l'argent? Ah, impossible. La porte, ça rentre pas dans le truc. Ok, on est obligé de prendre celle-ci. Parfait. C'est commandé, mesdames et messieurs. Allez, on va aller dire au camion qu'il peut partir de chez lui. Notre employé a fait le boulot, il a tout vidé. Parfait, lui, il peut partir. Alors des couvertures et des oreillers, mais j'en ai en fait hein. En fait j'en ai hein, c'est juste qu'ils sont dans des boîtes. Mais j'en ai hein, ça c'est quoi le truc blanc là? C'est une boîte vide ça. C'est une boîte vide ça. Voilà. Parfait. Donc en fait des oreillers j'en avais. En tout cas au moins un. Des draps j'en ai, des couvertures aussi j'en ai. J'ai un peu de tout hein. Ça c'est quoi? Ah ils sont sales. Dans la machine. Ah il faut que je peux employer quelqu'un aussi pour
ça. Oh, j'avais pas vu dans la machine, regardez tout ce qu'on peut mettre. Ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waouh, au lieu de celle-ci, on peut mettre que 3 trucs dedans. On peut mettre 9 trucs en même temps. Waouh, je savais pas ça. Ah, mais ça, c'est un game changer, ça. Waouh, ok. Et elle dure que 1,30. Oh, 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 oh. Ça, et celle-là, elle dure 2,30, hein. Ah oui. Ah oui, la machine, c'est complètement OP. Ok. Ah, la machine, c'est génial. Ah, ben, je vous recommande, dès que vous pouvez, prenez la grosse machine, hein. Franchement, ça change tout, hein. Je pense que c'est bon, là. Il y a tout qui va être nettoyé. Donc, on peut déjà amener cet oreiller-là. Le reste, ça va être nettoyé. Alors, on a quelqu'un au bureau. On va aller voir ça tout de suite. On peut lui donner une des chambres. Il faut toutefois recevoir encore une porte. Voilà. Le lit, est-ce que je l'ai verrouillé, le lit? Non. Ah, et ici, il y a l'autre oreiller. Parfait. Il n'y a pas de place? Merci. Ok, donc là, il manque juste les couvertures. Elles sont en lavage. L'autre, il manque la porte. Bonjour, madame. Bonsoir, plutôt. Comment allez-vous? Alors, j'ai pris une porte d'une des chambres, madame. Je ne sais plus laquelle, mais je pense que la 3, ça doit aller. Ah, par contre, elle veut 72 heures. Donc, ring, ring, ring. Pas contente. On va manger un petit bout. On va boire une petite boisson. Voilà, on prend la thune. Ça bosse dur. Ça rapporte un peu d'argent. Bon, je rappelle qu'on paye des salaires. Madame, tu peux prendre mon argent? Merci. Alright. Donc, on a la livraison qui arrive. Ça, c'est bien. On va avoir la porte. Normalement, on a ici la machine à laver qui est déjà terminée. Donc, ça, c'est plutôt impressionnant. Honnêtement, je savais pas du tout. J'avais pas du tout encore testé. Et franchement, c'est super efficace. Ça, on va mettre là, du coup. Voilà. Le camion, il est où? Ah, c'était pas le camion de livraison, je me suis fait avoir. C'était le camion ici. Ok, les livraisons, c'est à 9h15. On va dormir un petit peu. Pip, ça y est, la livraison est arrivée, mesdames et messieurs. Alors, on va juste nettoyer un peu le sol ici. Quand même, c'est dégueulasse. La poubelle, là, ils l'utilisent pas, je pense, hein. Ils utilisent que la poubelle devant le magasin. Ce beau petit camion jaune. Bonjour, comment vas-tu? Alors, on n'a toujours pas utilisé nos petits tonneaux ici. Parfait, la porte. On va la mettre là. Alors ça, on peut stocker ici. Hop, voilà. Impeccable. C'est tout? Ouais. Voilà, ça a été rapide, hein. Ça, nous, on va aller mettre la porte à notre motel. Et on aura donc toutes les chambres. Alors là, vous allez remarquer quelque chose, peut-être. Vous avez sans doute remarqué que malgré le fait que j'ai plus de chambres, j'ai pas de nouveaux clients qui arrivent. Pourtant, j'ai des chambres encore disponibles. Celle-ci est disponible. Celle-là aussi. Alors ici, je vais juste mettre les couvertures. On va mettre cette couverture-là. Voilà. J'ai celle-ci aussi qui est dispo. Donc, on a encore combien de chambres là? 1, 2, 3 chambres dispo. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est simple. C'est que ici, le parking, pour l'instant, j'ai que 4 places. Donc, il y a encore un client qui va arriver. Mais ça sera tout. Je n'aurai pas plus que ça. Parce que mon parking n'est pas assez grand. Il va donc falloir agrandir le parking. Alors, on va aller directement ici. On va regarder si on peut le faire. Donc, pour ce faire, on va dans... ah, celle-là, elle n'est pas prête. Qu'est-ce qu'elle a encore? Équipement nécessaire, porte. Oh non, j'ai encore oublié une porte. J'ai encore oublié une porte. C'est pas grave, on va faire des nouvelles commandes de produits. Qu'est-ce qu'on va commander? On va commander ça. On va commander ça. On va commander un peu de soda. On va commander un peu de Monster. On va commander de l'eau. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Un peu d'orange, jus d'orange. Au niveau du tabac, je pense qu'on avait fait le tour, hein. Et donc, alors, équipement, on va commander une porte. Ça, c'est où? C'est ici. Porte, 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 porte. Chauffage, baignoire, porte. On va commander encore une porte. Ça rentre pas dans le fourgon. Il faut le camion. Voilà.
Parfait. Ouh, bonjour monsieur. Ah, 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 il a quitté sa chambre. Ok. Je croyais que je vais la louer. Lui, il a quitté la chambre numéro 2. C'était ici. Parfait. Alors, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de déchets par terre. Est-ce que c'est parce qu'il fout tous les déchets ici ou pas? Oui, regardez, j'ai pu récolter tous les déchets qui étaient dans la poubelle là en faisant un clic gauche. Donc ça, c'est cool. Parce que du coup, on ne doit plus ramasser tout ce qui traîne par terre. Donc la poubelle dans les chambres, c'est OP. C'est vrai que c'est con, j'y avais jamais pensé jusque-là, mais en fait, c'est quand même important. Maintenant, on peut enlever tout ça. Et on peut remplacer directement par un drap, par la couverture, et par du PQ. Papier toilette, et aussi la serviette, voilà, papier toilette, ok, la chambre est prête, on n'a rien de temps, on a fait ça très rapidement, et tout ça on peut aller amener à la machine à laver. Donc maintenant on va aller récolter l'argent un petit peu gauche-droite, et on va, hop, la machine, et on va débloquer une place de parking supplémentaire. Un petit bout. Il y a quelqu'un au bureau là. Bonjour monsieur. Oui. Alors attendez un petit instant. Une chambre, un lit. Ah zut, elle est occupée déjà. Bon, on va lui donner celle-ci. Voilà, prenez ça. Et monsieur, réserve de carburant faible. On va le commander. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Encore une chance que j'ai du staff pour m'aider parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Hop, 700 balles de carburant. Allez, c'est parti. Encore un client qui arrive. Thank you. Je voulais juste, thank you. Je voulais juste aller récupérer ça. In a heartbeat. Mais on va regarder si la publicité, la nouvelle qu'on a mis, nous a rapporté quelque chose. Alors j'ai encore une publicité par terre. J'ai oublié d'acheter un panneau que je voulais acheter. Je voulais acheter 2-3 panneaux pour mettre ces publicités sur des trucs. Bonjour monsieur, comment allez-vous? 96 heures, non, désolé, il n'y a pas de chance. Je préfère des gens qui restent moins longtemps parce que comme ça, je gagne mon bonus. Alors plus tard, quand j'aurai beaucoup de chambres, peut-être je ferai plus attention à ce point-là. Mais pour le moment, je fais encore un petit peu attention. Alors, on va dans gestion. On va dans mise à niveau, pardon. Et vous avez ici donc le motel park. Et là, pour l'instant, donc, vous voyez que j'ai que 4 places de stationnement. 1, 2, 3, 4. Et j'ai 6 chambres, donc il est important de débloquer 2 nouvelles places. Alors ça coûte pas cher, hein, ça coûte 100 balles la place. Voilà, regardez, on y va. On va déjà débloquer même une en plus, comme ça on est prêt pour prochainement. Et donc là, mon parking, regardez, il s'est agrandi avec ici des nouvelles places de véhicules. Regardez ça, donc magnifique. Donc maintenant, je vais pouvoir remplir mes chambres. Donc ça, c'est important, n'oubliez pas de débloquer les places pour les véhicules quand vous agrandissez votre motel également. Ici, ça, je l'ai éteint. Non. Voilà, on peut repasser sur l'électricité normale. Et ça, je vais aussi l'améliorer pour plus que ça marche. Parce que oui, il y a moyen que ça n'arrive pas. Nettoie un petit peu. Voilà. Au niveau de la satisfaction, on est toujours à 5 étoiles. Au niveau de la satisfaction du motel, on est à 3,5. Alors, est-ce que je peux un petit peu modifier le prix des chambres? On va regarder ça ici dans la gestion tarif. Au niveau des chambres, on peut augmenter un petit peu. On peut mettre 107 pour la chambre single. Et on peut mettre 150, je pense, même voire 155, non. 152, voilà, pour la chambre double. Ouais. Ah, là, j'ai payé les employés. Et ça fait mal, il nous reste 50$. Alors, on a la livraison qui est là. On va se coucher juste le temps qu'il aille se garer. Voilà, comme ça, on perd pas de temps. Et on va aller chercher plutôt, pas acheter, mais chercher notre porte qui est dans son camion. La machine ici, elle a terminé. Stocker tout. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On s'en sort bien, non? Ah, regardez la porte. Le reste, je laisse. C'est mon employé qui va tout décharger. Donc là, il y avait en effet une chambre où j'avais enlevé la porte. Où j'avais pas encore mis la porte plutôt. C'est ici. On la verrouille. Parfait. Cette chambre est prête. Voilà. Toutes les chambres sont prêtes. Magnifique. Magnifique, magnifique. Du coup, lui,
J'avais dit que mon employé va le décharger, mais bon, je vais aider un petit peu. Quand même, hein, il faut donner un petit coup de main à nos employés. Hein. Pas de raison qu'ils doivent faire tout pour nous. Voilà. Ok, je peux y aller. À la prochaine. Allez, on a une cliente là qui arrive. Notre motel s'agrandit vraiment de plus en plus. On est super content. On est super content. Avec les belles publicités. Hein. Incroyables les publicités ici. Madame. Allez, vous savez quoi? On va lui donner. On a quand même pas mal de chambres. Normalement, je fais pas pour aussi longtemps, mais bon. On va donner les chambres là, histoire qu'on ait plein de clients. Alors j'ai enlevé lui là, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez rien sur les côtés, c'est normal, c'est moi qui l'ai désactivé. Un petit peu, se donner un petit peu plus d'immersion. L'argent. Au niveau du magasin, on a l'air d'encore avoir un petit peu de tout, hein, donc ça c'est plutôt bon. C'est pas mal. Les cigarettes, tout ça, ouais. Alright, alors j'avais dit qu'on allait regarder une chose. Ah, on a encore une cliente qui arrive ici. Bonjour madame, vous avez vu, elle a utilisé la dernière place de parking qu'on a mis ici. Regardez, il y en a encore qui arrivent là. Ça, ça aurait pas été possible hein, si on n'avait pas agrandi le parking. Donc voilà, ça c'est top. Je regarde un peu la pub, magnifique, on gagne de l'argent en plus de ça. Madame, bonjour. Oui, un petit instant, s'il vous plaît. Voilà, la chambre numéro 4, s'il vous plaît. Merci, hein, passez un excellent séjour. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là pour vous. Alright, il nous reste plus qu'une chambre à louer, la chambre numéro 5. Alors, au niveau de la mise à niveau, je voulais encore vérifier une chose. C'était où? Ici. Salle électrique, éliminer les pannes. Ça coûte 2500 balles. Ah ouais. Bon, ça, je les ai pas encore. Ça, je les ai pas encore, la salle électrique, mais donc on pourra annuler les pannes. On peut aussi améliorer ici la station service. On peut ajouter un parc de bus aussi pour avoir des clients qui s'arrêtent en bus devant le motel plutôt que de venir en voiture. Donc ça peut être intéressant. On peut améliorer aussi la publicité. Regardez, là j'ai déjà mis un panneau, vous voyez celui à gauche. On peut ajouter un panneau à droite, mais ça coûte 2000 balles. On peut améliorer l'entrepôt, on peut agrandir la boutique pour 1500 balles. Il y a pas mal de choses à faire. Bon, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Madame, bonsoir. Alors là, j'ai deux clientes, donc on va faire un peu le difficile. Un lit pour 36 heures. Désolé, j'ai aucune chambre. En espérant que celle-ci me propose quelque chose de mieux. Madame, bonsoir. Une 30... Ouais, bon, c'est pas grave. Alors attendez, on va lui donner quand même, histoire que notre hôtel, notre motel plutôt, sera complet. Voici, madame. Prenez ça. Ok. Bon, mais voilà, mesdames et messieurs, écoutez. On a pas mal avancé, donc, hein, donc notre motel maintenant, il a 6 chambres. Les portes et tout sont un petit peu différentes, c'est vrai. On va... Il faudra que je retravaille la déco quand même à un moment ou l'autre, parce que c'est vrai que là, c'est plus très beau. Il faut que j'achète encore des petits panneaux pubs. Donc ça, je vais faire. Donc moi, ce que je vais faire de mon côté, je vais continuer à évoluer. Je vais acheter des petits panneaux pubs pour mettre un petit peu tout ça au clair. Je vais peut-être essayer de faire un petit peu d'argent pour que dans les prochains épisodes, on puisse agrandir la station service et pourquoi pas avoir de nouvelles chambres, de nouveaux produits dans le magasin et encore plein de nouvelles choses. Voilà, voilà. Écoutez, c'était Chirostar sur la chaîne Chiro Gaming. Merci à tous de m'avoir suivi. Regardez notre motel comme il est fantastique. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner. Si jamais vous vous abonnez, cliquez aussi sur la petite cloche. C'est important pour recevoir les notifications parce que j'imagine que vous êtes abonné à pas mal de chaînes et sans activer les notifications, eh bien, vous pourriez rater certaines vidéos. Ça serait un petit peu dommage. Voilà, voilà. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. C'était Chirostar sur la chaîne Chiro Gaming et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.